pas de question en fait. Je reprends toutes mes forces et après je vois le ballon au fond défiler. Et... je suis comme un gamin. C'est un signe pour nous, c'est un signe, c'est aujourd'hui rien ne peut nous arriver. Et je suis sorti, il restait 20 minutes. C'était les 20 minutes les plus longues de ma vie sur le banc. Je n'ai plus regardé, j'attendais que le coup de sifflet. J'ai passé 20 minutes à prier en fait avec les autres. Un seul but a suffi. Après 180 minutes de lutte, l'Algérie est au paradis. Elle est là, la victoire. Je te l'ai dit, j'espère que ça va être une victoire du sport. On l'a mérité. Ils nous ont tout fait, mais on est qualifiés pour l'Algérie et pour le monde du sport, pas pour les salauds. L'IA au mondial, c'est mérité. Après ce qu'ils nous ont fait, c'est rien ça. C'est rien par rapport à ce qu'il y a pas. Vive l'Algérie. Quatre ans après, l'Algérie disputera sa troisième Coupe du Monde. Cette équipe-là rentre dans l'histoire du pays. Pour tous les Algériens, on a écrit nos noms avec de l'or dans l'histoire de l'Algérie. C'était pas facile. On a écrit dans l'histoire d'Algérie. L'Algérie, elle a 10 ans. Elle a 10 ans. On l'a montré. On a peur de personne. Les Fennecs ont vaincu la haine. De Khartoum à Alger sur le chemin du retour.